Eh bien salut à vous les Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là là, mais regardez qui est là, regardez la Planetas qui est là, regardez la Planetas. On est bien ici, ça va tout le monde? On est bien, aujourd'hui on est... On est au Croquetas. C'est quoi le Croquetas? Bah le Ranch David Croquettes. Ah ok, oui, très bien. Bah, oui. Donc aujourd'hui on est en week-end avec les copains aux Croquettes. Et regardez, attendez, on a Rafi. Qui nous fait... En fait, c'est Koh-Lanta, Rafi. Il nous fait le feu. Waouh. Pas reproduire chez vous. Oui. Toujours supervisé avec des parents, naturellement. C'est sans effets spéciaux, là. C'est ça. C'est du vrai feu. C'est ça, ok. Waouh. Eh ben écoutez, je crois qu'on est très très bien. Oui. Moi, je vous l'avais déjà fait, le Davy Croquette. Effectivement, je vous avais présenté celui-ci. Alors, c'était un vlog très particulier, parce que je vous avais pas forcément fait ça en mode vlog. Je vous avais expliqué l'expérience, etc. Bon, là, je vais vous présenter un petit peu en mode vlog. Ce sera beaucoup plus agréable. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. Et là on est en total dépaysement. Là on entend juste les oiseaux. Ouais. En plus à cette heure là ce qui est cool c'est que les gens sont à Disney. Donc au moins on est tranquille. Petit apéro, petite table ici pour manger tranquillement. Donc à on va l'ombre. Être trop bien. À l'ombre, on a eu la chance d'être à l'ombre ouais. Je trouve. Ouais. Non c'est génial, génial. Et en plus ce qui est cool c'est que vous ramenez votre nourriture. Vous avez votre petite cuisinette et en plus après vous pouvez, si jamais là-bas je vous montrerai, mais acheter de quoi consommer. Et je crois que alors en activité il y a la piscine. Ouais. Il y a le tennis, il n'y a pas un mini-golf? Je sais plus s'il y a un mini-golf ou pas. Il y a promenade à poney. Et il y a la promenade à poney. Promenade à poney. Mais, c'est pas, mais si c'est comme au Cheyenne, c'est pas pour les adultes. Oh. Au Cheyenne, il y a les... Attends. Au Cheyenne, les adultos, que dalle. Hein. Ah. Il y a une taille. Hein. Les Cheyennas. On est les Croquetas. Croquetos, c'est quoi? On est des Croquetas. Et le lodge s'appelle le Pride Lodge. Voilà, oui, donc on est en pleine soirée, en plein week-end Pride, donc le mois de la fierté. Bref, d'ailleurs, on ira à la soirée ce soir. Je me suis même pris moi, j'ai pris la place. Je ne pensais pas venir, finalement, je viens. Et on a le programme. Et ça fait plaisir, Maxime, aussi, que tu, voilà, que tu soutiennes aussi la communauté LGBT. C'est un message à passer, ouais, la fierté, la fierté d'assumer, comme tu disais, merci, la merci. Fierté d'être là. Et puis voilà, c'est des causes à défendre, bah comme voilà, toutes aussi, les causes. Voilà. Donc c'est des messages à passer. Merci, on va se changer, on va se mettre, tiens, mais puis let's go. On fait ça. Allez, let's go. Bon les amis, on va à la piscine. Oui. Tu vas pas à la piscine? Bah j'ai pas de maillot, j'ai pas de dégaine. T'as pas de maillot? Ouais, puis c'est chouette la piscine du ranch. Regardez-moi, j'ai mis un truc de Abu Dhabi. Les amis, qui m'a prêté de Dubaï, de Dubaï. Atlantis Dubaï, Dubaï. Regardez, c'est chico ça. C'est total. La piscine du ranch, c'est une des plus belles ici. Bah, c'est, oui, la plus grande, c'est la plus grande, ouais. La plus belle. Voilà. Let's go. On est bien. Le crew est au complet, les gars. Exactement. Attends, pousse. Le crew est au complet. Le crew est au complet. Exactement. Allez. On est les quatre. Fantastiques. Non. Bon, allez, on y va. On y va. Bon, direction la swimming pool. Et là, on arrive directement au niveau de la zone principale avec la réception, la boutique, le resto et la piscine. Et ça, c'est un cadre trop, trop mignon. On y était il n'y a pas si longtemps que ça pour la vidéo. Des 7 ans de la chaîne, ah, là, c'était trop cool. De jouer au ping-pong tennis badminton, raquettes et balles prêtées gracieusement à l'accueil de la piscine de 9h30 à 22h. Voilà. Ça c'est gratos. Exactement. On va aller dans l'eau. Les lunettes réception avec le pied. Incroyable, et la piscine elle est vraiment canon. Elle est vraiment 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 canon. C'est la plus belle piscine de Disneyland Paris. Et vraiment, elle est vraiment hyper grande. En plus, ils ont ouvert la terrasse. Ouais, ils ont ouvert la terrasse, ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu peux te prendre un petit bain de soleil après avoir été nager. C'est super vrai, cool. C'est vrai. Bon là, il n'y a pas trop de soleil, mais ouais. Non, mais voilà, mais bon. Ouais, franchement. Bah, il fait super bon, quoi. Allez, petit tour de toboggan. Let's go. Bon
Bon, on sort de la piscine, c'était vraiment super cool, on a bien kiffé. C'est clairement la plus belle piscine, comme je le disais, de Disneyland Paris. Vraiment trop trop bien. Et là, on regarde, il y a des cours de badminton et de tennis. On est à Disneyland. A few moments later. Le lendemain matin. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, alors honnêtement, ça a été une matinée très compliquée avec la soirée Pride qu'on a fait. On est rentré hyper tard, on s'est couché tard. Donc du coup, on a chillé pendant toute la début de journée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direction la piscine. Je veux aussi, on va faire un petit tour, vous savez, dans la petite zone là-bas avec la boutique, etc. Et puis ce soir, on va tester le resto qu'on vous filmera pour une prochaine vidéo du meilleur restaurant de Disney. Donc ça va être ma première fois dans ce resto, personnellement, donc voilà. Bon allez, ils font quoi les copains? Tu fais quoi le copain? J'ai perdu ma light caméra, donc je la cherchais. Mais Michaela a réparé mes ears. Ah oui, c'est vrai, tes fameuses ears que t'avais cassées, donc du coup... Autant vous dire que hier, il nous a fait tout un caca nerveux parce qu'elles sont introuvables nulle part ailleurs. Donc s'il avait pas ses ears... Ces ears, c'est comme toi et ta barbe. Oui, c'est ça en fait. Voilà. C'est que si Raph n'a plus ses ears, ce n'est plus Raphaël. Surtout celle-ci. Surtout celle-là, oui, c'est vrai, oui, c'est iconique. D'ailleurs, dites-nous, hein, si quand vous avez rencontré Raphaël, il avait quel ears? Est-ce qu'il avait celle-là ou une autre? En général, souvent celle-là. Qu'est-ce qu'il a lui? La dégaine est folle. Hein. C'est une première quand même. Hein. Tu sors tout le temps de Jungle Book Jive. C'est une première. La Mata Dance, vas-y. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés la première fois. Tu m'as sauvé la vie avec un éventail. Tu te souviens? C'était à la Mata Dance. Je me souviens, oui, j'étais en train de mourir. L'eau dégoulinée, je me dis. Les chutes du Niagara. Je vais aider ce garçon. Oui. Parce qu'il est un peu au bout de sa vie. Et tenez, monsieur, et j'avais un éventail. Je me souviens, c'est le jour où tu m'as vu la première fois. Exactement. Ouais. Et depuis. Et moi, je me souviens de toi, mais voilà. Mais pas. J'ai pas. C'est quoi ce petit sourire en coin? Je le. Non. Vas-y, dis. Bon, on parlait pas à ce moment-là. On ne parlait pas. Non, on se connaissait, mais je me suis dit. Tu sais ce qu'il faut faire pour Stéphane? Quoi? Bah, on va lui prendre ça là. C'est quoi? Tu vois, dès qu'on s'approche. Ah ouais, ne pas déranger. Ne pas déranger. Non, c'est toi quand voilà. On te voit, on va te mettre ne pas déranger. Mais vous me dérangez jamais, monsieur. Non, c'est lui qui est dérangé. C'est toi qui nous dérange. Non, c'est horrible. C'est lui qui nous dérange. Quelle bande de bon, allez, on va se préparer, piscine. Allez, on y va. Let's go swimming pool. J'ai mon truc. On allait à la piscine et en passant devant, il y avait la petite boutique, je voulais vous montrer un petit peu. En gros, si vous n'avez pas ramené de quoi manger directement à l'hôtel, alors évidemment, je vous conseille quand même d'aller directement au champ qu'il y a pas très loin. Mais sinon, vous avez de quoi faire vos petites courses. Là, vous avez même de quoi prendre, si vous voulez, des brosses à dents, dentifrice. Si mesdames, vous avez besoin de serviettes, etc. Non, franchement, c'est super cool. Donc, et puis, il y a même pour les animaux, de la pâtée, etc. Donc top. Bon bah écoutez, moi je prends une petite brosse à dents et puis direction la piscine. Il est coincé. Salut les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici au Disney. Ah, c'est à mon tour. Comment il a pu être coincé là? C'est là où tu vas le plus vite. Bon les amis, on sort de la piscine et on a décidé de faire un petit tour en fait de l'hôtel, de la zone un peu. Et franchement, c'est très joli. Là, on a par exemple plein de petits tipis avec ici un espèce de canoë. C'est vraiment très très mignon. Il ne doit pas y avoir grand monde qui vient en plus ici, mais je trouve ça très joli avec les petits tipis et tout indien. Moyen de faire des petites photos très sympas. Là on est du coup au niveau de la zone du mini golf. Oh c'est chicos. C'est mignon, c'est 2,50€ par personne, c'est ça je crois. Ouais, franchement ouais, faut aller à la boutique, 2,50€ par personne. Et il y a un petit mini golf, regardez. Et là juste derrière on a le Junior Rancher Playground qui est la petite zone d'enfants quoi. Donc voilà.
Franchement, cet endroit, cet hôtel est vraiment... Il a vraiment quelque chose de différent des autres, vraiment. Je me répète, on l'a très souvent dit aujourd'hui, mais je... Enfin voilà, et pourtant il n'est pas non plus exploité à son plein potentiel. Mais la tour des hirondelles, oh il y a des hirondelles à l'intérieur. En voilà une élégante demoiselle, l'hirondelle est la bienvenue à Disneyland Paris grâce à cette tour de 32 nichoirs. Vulnérable en zone urbaine, nous lui offrons au Disney Croquet Ranch les bois et les zones humides nécessaires à son installation. Oh c'est génial, c'est super, super d'avoir fait ça. T'obliges pas les animaux à venir et tu les laisses profiter et c'est super cool. Voilà. Et donc là on a une petite salle d'arcade je crois. Et là on a une petite salle d'arcade juste ici là. The Lucky Raccoon. Il y a tout dans cet hôtel, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je sais même plus s'il y a des salles d'arcade dans les autres hôtels. Mais non franchement, il y a vraiment de quoi s'amuser de ouf en fait et c'est trop cool. Et ça dépayse et comme on dit avec les garçons, on n'a même pas forcément le besoin et l'obligation d'aller à Disney quand on ne sent pas forcément obligé d'y aller. Donc voilà, juste être ici ensemble, ça fait du bien. Bon les copains, voilà, on s'est fait tout beau, tout propre pour directement se rendre au restaurant. Je ne sais même plus comment il s'appelle celui-ci, on ne l'a jamais fait. Donc vous verrez, ça sera pour une nouvelle vidéo, évidemment la vidéo du meilleur restaurant. Je vais quand même vous mettre quelques petits plans afin de vraiment, bah, si vous n'avez pas le temps de voir cette vidéo qui sortira, au moins vous allez voir à quoi ça ressemble si vous avez prévu prochainement un voyage au Davy Crockett. Allez, bah du coup, let's go, on y va. Pour bah, le resto. Ouais, c'est cool. Guys. C'est meilleur restaurant. Eh, hey, yes. Let's go. Let's go, let's go. Yes. Let's go. Bien. Yeah. Peut-être que vous savez vous mettre ici. Bon les amis, on sort du restaurant, c'était franchement trop cool, vous verrez la vidéo, elle est incroyable, enfin vraiment on a ultra kiffé, on a trop bien mangé, mention spéciale pour le gâteau de pommes qui était incroyable et globalement, enfin voilà, masterclass, donc franchement, je pense que vous devez le tester, vous avez bien vu, de toute façon, on a survendu le Cheyenne, vous êtes nombreux à l'avoir testé, et bien moi pour le coup je dis qu'il est même mieux que le Cheyenne, c'est une ambiance différente mais c'est à faire. Bon on est rentré à l'hôtel, enfin plutôt dans notre petit bungalow. T'es vraiment obligé de ce plan là en fait. C'était cool notre, cool, notre Maxime. Petit week-end. C'est oui. La dernière soirée. Oh non, dis pas c'est ça. C'est la dernière soirée. Si, c'est la dernière soirée ici là dans le chalet. Le Cottage Pride. Le cottage. Yes. Le cottage des To Be Free. Partir un jour sans retour. Excusez-moi monsieur. Effacer notre amour. Ah. Juste on mentionne parce qu'il faut toujours mentionner les choses. Ah. On a croisé des abonnés tout à l'heure qui, eux, pour le coup, n'ont pas eu la aussi bonne expérience que nous. Juste pour faire une petite mention, chaque expérience est différente. Nous, on a ultra kiffé, on a passé un bon week-end. Ah, ouais, parfait, on n'a eu aucun problème. C'est génial. Au niveau de la propreté du mobilhome, du bungalow, parfaite. Oui. On n'a pas trouvé tant d'insectes que ça. Non. Parce que je sais que bah, les gens qu'on a croisés tout à l'heure se sont un peu pleins à ce niveau-là. Okay. Mais on est dans la forêt après. C'est ça. Mais dans des cas comme ça, bon, voilà, c'est... C'est l'expérience sera différente. Nous, on a ultra kiffé le restaurant top, la piscine top, le bungalow top. Yeah. Et puis, on est dépaysé. Et people top. Et on est dépaysé et ça fait plaisir. C'est bon, allez au dodo. On va dormir. Ah, oui. Allez, let's go, dodo. Allez, let's go. Attendez, pousse. Maxime, c'est toi qui fais le petit déjeuner demain. Ah, il nous manque du pain. Allez, bonne nuit. Je prends un mouchoir. Le lendemain matin. What a night, what a weekend. Moi, je. Ouais, voilà, on vient de se réveiller. Là, on doit rendre le bungalow à 11h, voilà. Et plein d'étasses, là. Quoi? Comment ça, j'ai ronflé toute la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Comment il a ronflé? C'est mais horrible. Toi, t'es insupportable. Non, il est insupportable. Non. Non, mais le mec, c'est plus possible, non, quoi. Attends. Qu'il fait, c'est... Non, mais... Et toi, dans la nuit? Oh, Raphaël, il ronfle. Oh, je dors à côté de toi. Et dans la nuit, après, il te dit, ça va, Raphaël? Mais let me sleep, hein. Non mais let me sleep, attends, ça va ouais. Non, moi j'avais un problème de nez, c'est pour ça que je ronflais, je suis allergique au pollen, donc oui. Quand on est allergique au pollen et qu'on est dans une forêt, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais non, c'est quand même cool le cadre, voilà. Là on a Nico qui est posé sur la terrasse, on est bien. Il est un peu frais aujourd'hui. Il fait pas chaud hein. Non, il fait pas chaud. Mais et donc du coup, je vous ai pas montré, on a quand même un lave-vaisselle pour la vaisselle.
Ça c'est cool. C'est pas pour le linge ? Non mais les gars, non, il nous reste une heure. Va falloir s'activer les gars. On va s'activer. Allez, allez, on y va. Let's go. Et voilà les amis, après la petite douche et le rangement de tout ça, ça y est, ça va être la fin. Tu finis ton café toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis on va y aller, hein, on va aller sur le parc. Les planétas sont fermes. Attends, regarde. T'as tout toi ? Ouais, c'est bon. Vas-y. Allez, on close, close, close. Close la maison des 2B3. On close. Les 2B4. Les 2B4. C'est dommage. Allez. Allez. C'est dommage ? Bah oui. Pourquoi ? C'est toujours dommage comme ça de quitter, mais... Moi je suis pas triste de te quitter. Au contraire, c'est faut bien un moment que ça s'arrête quoi. Vous avez la journée à passer sur le parc ensemble. Oui, hein. C'est pas fini monsieur. Allez, on y va. On y va. Bref, en tout cas, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Nous, moi j'aime bien, voilà cet hôtel. C'est vraiment un très 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 bel hôtel. Enfin, c'est plutôt... Voilà, ça fait plutôt camp de vacances en fait. Et on a même pas l'impression d'être à Disney, c'est ça qui est super cool. On a l'impression d'être en vacances, dépaysement total. Nous finalement on n'a pas passé tant de temps que ça à Disney. On en a profité hier soir. On a profité l'autre jour pour la Pride. Mais sinon en soi on a plus profité de la zone, de l'hôtel et du dépaysement, de la nature, des petits oiseaux qu'on entend. Enfin, le calme quoi, le calme. Ça là, on dirait que c'est des taupes. C'est possible, oui. Je sais pas. Tu sais, on est en plein milieu de la nature, les animaux sont nos amis là. Ben moi c'est toujours si tu regardes bien tu peux voir Pocahontas passer. Mais t'es toujours plus, imagine. Là je meurs, imagine. Je dis bravo, je... Ouais effectivement le seul truc qu'on a dit qui est dommage, c'est que dans ce ranch, enfin dans cet hôtel, on n'a pas de personnage, on aurait pu avoir surtout qu'ils ont le fameux Mickey Trapper, Davy Crockett, ça aurait été incroyable. Bon malheureusement ils n'ont pas ça. Donc bon bah tant pis. En tout cas on a kiffé, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde, et puis n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous. Salut tout le monde. Et la saucisse.